l'association des ingénieurs agronomes du Congo à SIAC en cycle. Madame Maïma Mouka, ingénieur de Goni, est-ce que relance agricole est connue que ça sera possible dans un avenir? Merci beaucoup, mon amour Guillaume. Merci Namoutouna Nayo. Et Zali, possible pour que l'ingénieur agronome ait la capacité à co-relancer secteur agricole Namo Kanabiso. Pour plusieurs raisons, na bakila sur Totangi, la université, la PCBISO, ma compétence, na ba domaine de compétence, il y a secteur agricole Nyonso. Donc, Namo Kanabiso, toujours le problème, il y a compétence. Compétence, tout ça, Namo. Vis-à-vis, il y a ba défi, ba enjeu, au Namo Kanabiso, ils allaient dans le secteur agricole. Bah, ingénieur agronome a la capacité à relever le défi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, en emboîtant les pas à l'ingé président Outi Koloba, ingénieur a la capacité à quatre associations, C'est vrai, je vais en profiter pour poser une question, un interrogatoire, pour dire, c'est vrai. Ben, je n'ai pas dit qu'on produit, mais est-ce que, et qu'on résout réellement le problème pour nos amis, non? Je pense que, peut-être à la prochaine émission, Mais n'a pas niveau de sous-sous, pour résoudre intégralement le problème, rien qu'avec nous-mêmes, ça ne suffit pas. Juste te montrer un exemple. N'a pas le but en amour. Voilà ce que nous sommes en mesure de faire. Donc, les gens n'ont pas moyen, ni sous bagouin, ni tout le monde, et on a le moyen, voilà ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau, peut-être que vous m'avez dit le troisième niveau, il faut aussi que gouvernance agricole, donc gouvernement, a joué, donc responsabilité naïe, pour attirer à ministre de l'infrastructure, et pour l'engagement, tout ce que ça, ni comme ministre de l'infrastructure, mais tout le monde voie évacuation, pour qu'on mette l'équipement et s'aider. Et quand on aussi la bombe et qu'on quitte, comment qu'on encadre la paysan. Donc, on va voler en atout, bisous au côté. Mais on peut vous mettre à cette peut-être, on fait ça l'exemple. On le bisous au côté de ça. En tant que général agronome, il y a une image des autres qui ça. Tout ça déjà en mesure, il y a pour ça, pour ça. Et il y a même ce que le dit. On est tous à la bâtou, on est tous aussi à gouvernement, monsieur le dit à gouvernement. Quand là, on le bisous au côté de ça, la manière et la bisous, voilà ce qu'on fait. Pour la proposer ça, le coup, c'est le temps de la gouvernement qui est toujours dans la bateau, tant que nous sommes dans le gouvernement, nous sommes à la route. Voilà, tu peux être accédé. Nous sommes dans le pas la nuit, nous sommes dans le bout de donc, tout ça, déjà, dans le modèle, la mission, on le relo, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas impulsé, dans le monde, quand on va plus que mission, nous sommes dans le bout de ça, tu y es au sein. Merci beaucoup, nous dit, madame, Tana, des missions, et mission, nous sommes dans le bout de ça. L'image de Zola qui ça, pour le moment, tu as 4 km à la route nationale. Un groupe d'ingénieurs agronomes, où tous, par un membre de l'association, agriculture pour tous. Ça, pour ça, là, déjà sur 300 hectares. Et sur 300 hectares, c'est pas ça, 85 hectares. Au vélo, son gouvernement, ministère de l'agriculture. Tout à l'heure, dernièrement, elle est passée pour un moment, pour vous, à mon avis, la vie petite. Mais dans mon boulot, on était obligé de groupe pour la vie d'habitat, à monter, si vous allez vers ma vie. Parce que ça va nous ça.
Donc, à 85 hectares, on trouve à dire, à 45 hectares, il y a culture, il y a soja, bien en état, vous parlez de l'ingénieur agronome, vous parlez de l'agriculture pour tous. Mm-hmm. Et ça, c'est la coordonnateur maintenant. Mais par contre, tout maintenant, membre de l'association des ingénieurs agronomes. Parce qu'il y a 45 hectares à soja, 30 hectares à haricots et 10 hectares à maïs. Et dans l'autre temps, bah, et quand les gens la voulaient à peu près 35 et 600 millions par CGT. Pour vous dire que les ingénieurs agronomes, nous avons la solution. Et solution, il y a mal à tout prix. Je peux pas dire solution, on a la moyenne à Bissomoko. Et là, je vais profiter d'un peu ça coup de chapeau dans le coordonnateur à projet, on a un ingénieur pour la Bissomoko, Yvon, ou là, je vais un groupe d'ingénieurs agronomes et majorité d'abord basé à le développement rural. Il y a le ministère de développement rural. Bah, on est basé sur le secteur. Voilà. Et puis, les gens qui ont été à travers les familles de la République, n'a qui coûte déjà le groupe régional de l'Ombazosa, n'a eu deux fois Bazosa, surtout que la province à Mongala, par exemple, on a la culture industrielle, culture au message du Corvandé, du cacao. Donc, la province, il y a Tchopo. J'ai salué notre président, il y a Siak Tchopo, ingénieur. Lui, à Zapetou, on a fait sa cacao. Donc, nous, ce que nous voulons, deuxième compris que ça, par exemple, pour un peu accepter le gouvernement, nous avons la solution. Et avec nos moyens, tous nos salaires. Voilà un peu ce que je peux te dire, ce qui nous demandera à vous dans ma condition. Oui, bon, je pense que le président a dit que nous avons son. Mais moi, je vais insister sur une chose. Pour que Nambo Kanabiso, dans le secteur agricole, pose la solution, il faut bassaler la buisson en général. C'est vrai, ils ont un bâtiment. Il ne faut pas ça, les abusos. C'est-à-dire qu'ingénieur agronome, c'est encore un médecin. C'est-à-dire que médecin, ingénieur agronome, a beaucoup travaillé dans la fonction publique, a beaucoup travaillé dans le ministère de l'agriculture, peut pas pour ça, les maïs, dans le sens que dans le fonctionnement de l'agriculture, tout ça, on a battu quoi, il faut bien qu'il va on bat tout ça, comme ça, la bilan. Battu, bah, ça va battre. Alors, battu, on a battu pour ça. Ma camarade, ça là, pour qu'elle ait sa résultat, madame, bah, on a la connaissance des individus sur l'ingénieur agronome. Raison pour laquelle l'ingénieur agronome va occuper pour ça les laïcs pour résoudre le problème. On est là, et vous avez peut-être dans le deuxième, troisième niveau. Mais dans le premier niveau, nous, le président Outikonoba, nous sommes capables, voilà les images, je les montre, aux amis, Kosangana, et dans toutes les provinces, partout où il y a des ingénieurs agronomes, bah, on va s'en aller au Maya Asiak. Basali Kosala quelque chose pour la Kola qui sont la communauté, que nous sommes capables, nous avons des compétences, nous pouvons changer les choses. Nous avons la solution pour sortir le nouveau cannabis dans un secrétaire alimentaire. Merci beaucoup, ingénieur Diébonin. Oui, mais ça va qu'il y a une mission à Bissot, Tony Toti à Nicolas Nicoloté. Ce que nous avons pour tout le monde, c'est que vous avez un ingénieur agronome pour tant que là, c'est Lolo, bon, là, on va essayer de se mettre à la plateforme du Batiké. Quelles sont les cultures qui doivent s'adapter? Toké, la province orientale. Toké, la est, qu'on a pas culture, nous, où il faut s'adapter. Lolo, ce que voilà, à SEC, Association des ingénieurs agronomes du Congo, pour ne pas y avoir un bâtiment, la Mboyo, bon travail pour sentir le bâtiment à RDC, au Bangorabi. Et l'autre, quand il y a eu son ami Koloba, l'association peut travailler, mais le pouvoir, il y a qu'organiser le secteur agricole et le gouvernement. Ça, il faut retenir. Mission à connaître sa population et comment il a créé la constitution. C'est le devoir du gouvernement de produire pour la nation. Donc, nous sommes toujours le bataille de l'association, pour qu'on puisse marier le gouvernement, toujours puisse agir, mais il n'y a pas ça. Mais en ce qui concerne la mouture en Yorubi, tout ça dit qu'on va dans la zone agroécologique. Okay. Donc, ceux qui tout à l'heure, les ingénieurs agronomes, ils m'ont dit, et tout à l'heure, climat. Hein? Répartition, il y a pluviométrie, il y a maille, il y a boule à l'église. Même la tire, il m'a dit. Dans ce que ça dit, c'est la température. Et côté la vie, ce que j'ai battu, dans la belle bouée, dans la saison bouée, le goût à l'amour, il est à l'amour, il est à la culture bouée. Pour la cause à la pratique. Au moins, l'aspect agriculture, nous sommes pour le moment, notre souci c'est quoi? Le gouvernement doit être capable de nourrir la population. Prenez l'objectif. Population, il y a la ligne. Tu y a ta foufou. Il y a maïs, il y a maïs. Tu y a ta losso. Tu y a ta babakimba.
et puis na ba production animale. Or, on a moins à l'élo. Et cela qui fait que le gouvernement a toujours un déficit alimentaire. Pour ce qui est total, et l'on peut maîtriser la moyenne de l'eau, c'est-à-dire manioc, c'est-à-dire foufou. Okay. Tout important. Mais le reste, tout est important. Alors, manioc est la vie de ça. Et ça, c'est pour l'entrée d'avoir une idée sur toutes les cultures. Non. Pour éviter que les gens aient la vie, il faut tout réduire importation à maïs. Tout réduire importation à l'os. Et puis tout réduire l'importation, il y a des denrées ou sous d'origine animale. Tout ça la vie. Le coup d'atelier, nous avons le libaspect agroécologie, tant que nous sommes pour la Makamouyalo, ça, les aides de famille qui ont été, pour nous dire que dans le cannabis, Makamouyalo, c'est un posé problème, il faut aussi que tout le culture, il y a l'os de ça dans mon bac. Alors, ce qui peut être aspect, voilà, il faut qu'il y ait immédiatement la réponse. Ce qui peut jouer, c'est le plateau de Bateke. La culture, les a adaptés, nous, on dit, les a maintenant, il pose un problème. Alors, ceux qui ont amélioré l'arachide, hein, et pour avoir plus de problèmes, et à la fin, ma sangou, oui, mais ma sangou, à la longue, et je sais que la biseau, à corps, il y a un engrais. Aujourd'hui, ma sangou, ma plateau, il va piquer comme ça, puisque période, mon corps, il y en a qui ont tombé, c'était dans 2000, dans la période avant mon transfert. Il y avait, j'étais encore chargé à gestion, il y a un engrais, sur toute l'étendue de la République. Il y avait des activités agricoles, et ça mène à la plateau des Bateke, et pour tout le monde qui a production de maïs, tout le monde qui a incident sur les prix, sur le marché de Kinshasa. Donc, ma culture vivrielle, si je peux dire comme ça. Incident positif, hein? Positif, puisqu'il y avait l'abondance, et puis il y avait la baisse des prix. Ok, ça a marché. Voilà que je suis qu'à la plateau des Bateke. Mais ce qui est total interland de la ville à Kinshasa, je cultive maraîchère. Hein? La ville à Kinshasa, d'ailleurs, félicitations à ma maman maraîchère. Et là, il a appuyé l'unité, mais le légume, la ville, qui a été opposé sur le problème. Mais qui chasse toujours. Mais qui chasse bien, qui chasse plus malheureux qu'on produit l'os. On peut aller dans les rives. Mais dommage, aménagement, toujours, il y a un site. Hein? Aménagement, il y a un site. N'a pas vu l'occupation, il se passe là, madame, peut-être. Toujours, on a une partie qui nous a dit, oh, le cas, les amis destinés, les amis partis pour la riziculture irriguée. Mais étonnant, par exemple, le mot de zone a la conséquence des inondations. Celui qui est autour de la province, on a dit un peu, ville à Kinshasa. Celui qui est autour de la province, il y a nord. Toujours, il a dit, nord ou Bangui, la sud du Bangui. Couler dans la culture adaptée, toujours, on a couru les cultures à l'hélico, ça marche. Le maïs, ça marche, ou toujours dans la culture vivrière. Mais dans la zone forestière, tout ça, au lieu, c'est que l'armée qu'on va les cultures industrielles. Et donc, on a café, et donc, on a cacao, et donc, on a EVA. Dans la zone forestière, ils habitent le Congo, ils pas. Donc, ce qui peut être, on peut continuer ainsi, donc, au Kenya, dans la sud-est, de la province, il y a les grands Katanga. Ça, c'est la province par excellence, pour qu'on produit maïs. Et puis, vous en avez grandement en casse. Et toi aussi, tu ne pas faire une émission où je suis négatif. Les autres sont importés, mais pour quelle raison? On peut produire le blé ici? Impossible. Impossible, puisque les choses se sont déjà faites. Na nord qui vous, vers le blé. Impossible. Raison pour laquelle? Na Kassai. Non, na nord qui vous. Na nord qui vous, na Kassai. 5 hectares de blé. Na nord qui vous, na 5 hectares de blé. Na Kassai. Prochainement, on verra les images. Na Kassai, on peut le faire. Raison pour laquelle peut profiter? On est en train de fermer les secteurs Kamba. Qui nous a fait? Qui nous a fait? Ce que l'on a dit, on peut produire du blé. Mais comment? Excusez-moi la parenthèse. Okay. Donc, toujours ça là, pourquoi il y a une production agricole? Ça c'est bien. Mais pour produire, nous avons aussi besoin de la sécurité. Lorsque le pays, ils ont pour ça la guerre à tout moment, comment on va produire? Lorsque les paysans ont dit, vous voulez pas payer à ces médias, vous voulez la récolte, va bombarder ma salini. Mais ça, ça veut dire que par ce moment-là, vous allez prendre la sécurité. Alors, posez-vous avec l'ingénieur Débonnet, posez-vous avec la botanique production sur l'étendue du territoire national. Le mot, le premier point, pour la co-relancer, secteur agricole, Nazela d'ingénieur agronome, il faut bas financer, bas valoriser l'ingénieur agronome. Félicitations à gouvernement parce que les autres, pour combien l'ordre des ingénieurs agronomes. Premier point, vraiment l'accès au.
Alors, deuxième point, ce qui doit financer finalement bah, ingénieur agronome. Mais vous dites, centre-ville, bah, il faut climatiser, pour vous dire, bah, parce que si vous avez un projet, vous mettez le tournant, vous tournez le tournant, vous tournez le tournant. Est-ce que vous avez la conscience, il y a qu'on produit localement, enfin, il y a qu'on lutte contre bah, l'importation? Merci beaucoup, Nekoké, pour la tournant. Réponse, Isali, bien sûr que oui, parce que Bandeko Basangani, au Basali Kosala vers le Congo central, Basali Nenge, président du Kologramo, a 45 hectares de soja sans financement, 30 hectares d'haricots, 10 hectares de maïs, etc. D'arachide, voulais-je dire, pardon. Donc, d'une manière brève, oui, effectivement, ce qui gouvernement a eu à disposition d'ailleurs pour la co-financer par l'ingénieur agronome, effectivement, bien sûr, et que ça a un cadre beaucoup bien structuré, mais, et ça ne va pas par exemple en Israël, mais selon les informations au Tosan Ango, un ingénieur agronome, ce qui est ici, qui est là, si, Azo tient diplôme d'ailleurs en jeu, comme garantie, va apprécier 100 000 dollars, va apprécier tracteur, va apprécier. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Parce que, C'est un problème sérieux, le financement du secteur. Vous pouvez avoir la compétence, vous pouvez avoir, mais le projet en dessous de ça, c'est un moyen où l'ingénieur agronome a dans l'autre. Avec la compétence, c'est bien, avec la expertise, mais il faut un moyen tant que la corona, tant que vous voyez un peu peut-être que l'on paysans pour la toute qui est une agriculture beaucoup moderne où ils sont très compétitifs. Donc je pense que c'est le exécutif national à Zoba Tokouko aborder la volée à financement à secteur. C'est-à-dire compétence seule et aussi fierté. En dehors de la compétence, il faut pas moyen. Au bas moyen, nous réellement les autres déjà manque à bas moyen financier où il peut permettre que nous tout acquérir outils, bah intrants. Au lobby, quand on dit qu'il y a agronome à faire une vie, est-ce que vous pensez que ça plaît les ingénieurs agronomes de rester en vie? Aucun ingénieur agronome, rien que par sa formation, il va s'y sentir à l'aise. C'est vrai. Je vous le dis, toute personne qui fait l'agronomie, parmi ma caractéristique pour l'ingénieur agronome, la passion. Et ça, la passion, il y a nature. Passion et environnement, passion et agriculture. Or, ce n'est pas en ville qu'on va faire ça. Si nous devions en ville, c'est l'équipe à ma compétence sur tout ça, Yango. Mais notre place n'est pas en ville. Et puis en ville, où est-ce que vous aurez 5 hectares? Où est-ce que vous aurez 30 hectares? Le grand problème, ce n'est pas que l'ingénieur agronome manque de compétences, c'est les gouvernements qui font de telle sorte qu'à l'ombre, l'agronome pose à vous faire dans la campagne. Merci beaucoup, ingénieur Isaac. Pourquoi nous représente que vous allez représenter notre territoire de l'Union nationale? Ingénieur Dédonné, tant que je n'ai pas province par province, à faire des trois représentants il y a un siècle. Merci beaucoup, M. Guillaume. J'allais vous montrer. Naouti Kozapel, Sikoyo. Sikoyo, Naouti Kozapel, il y a président provincial de Maniema. Sikoyo, je peux vous montrer, appel Yasuka, il y a un siècle qui toque au Kino. Vous pouvez regarder. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Donc, c'est pour vous faire voir que nos amis, en permanence, en contact avec la province, nous travaillons ensemble. La province, nous, étant donné que nous sommes à Congo, voilà, nous posons à notre ingénieur de l'Ibaza au temps.
D'accord, j'arrive. La manière, association a déjà bien implanté, comité Isali, Mazali autour de 65. Ingénieur Bonin, bien sûr. Nazu, Euromami, Kamina, Bazali, 250. On les a pardonné fraîchement du côté de là, parce que dans le cadre de l'ordre, Bazali peut identification. La Kamina, par exemple, c'est 250. Au Katanga, Lubumbashi, avec notre président Guilet Nemo et notre secrétaire Kali, ils sont au-delà des 500. Maou Bazar est censé, très bien. Aujourd'hui, sur Oubangui, à Domina, nous avons autour de 250 aussi, avec notre président AI, ingénieur Dali Bazali. À Tchopo, notre président provincial, ingénieur Bouini, à Outikosala, tout il y a 4 ou 5 territoires où il y a province à Tchopo, à Outikosala, l'Assemblée générale Naïe. Bazali est au-delà des 500. Vous voyez. Aujourd'hui, sud Kivu, nord Kivu, sud Kivu avec le président David Moana. Nord Kivu avec le président Projet Mungo. Aïtouri, notre président, ingénieur Serge. Bazali, au delà d'ailleurs, c'est une province qui est très, très, très active. Parce que vous parlez de l'ingénieur Gonan, vous avez dit que la collectivité de l'ingénieur Astika, votre association, a dit que c'est l'administratif des alliés, puis vous avez une association de Malette, on peut vous trouver. Merci beaucoup. Et puis, ingénieur, vous êtes avec le service, comment vous faites pour appuyer multiplement sur l'ingénieur Gonan dans la province? Après, on a vu une liste des alliés techniques, il y a des formations en ligne, comment vous faites pour les renforcer? Merci beaucoup. Comment nous faisons pour identifier l'ingénieur Astika? Il faut voir que l'association Abisso, au-delà de notre existence, nous avons capé là par contact direct avec l'université. Je veux par exemple vous donner une information qui est dans la conférence lobby à Bel Campus. Nous avons dit les peines la semaine passée. Bref, dans les grandes provinces, le comité a été organisé. Chaque fois que vous avez aussi que là, c'est Bakoumi ingénieur, Bayaka directement dans les associations pour qu'il va se faire identifier. Et puis, depuis si vous avez carte, ensemble, vous allez vous séjourner dans l'activité où vous allez vous saluer. Ça, c'est bon. Bon. Alors, la question, ça, adresse la mission à Kala Izalaki, la Sénapic. Donc, du coup, actuellement, nous fonctionnons au niveau du secrétariat général de l'agriculture, dans le niveau de la DT. Oui, parce que vous allez comprendre que tout soit adresse M. Swassika, mais en attendant, nous fonctionnons, nous sommes au niveau du secrétariat général. Alors, comment fonctionner avec quel moyen? Parce qu'il voudrait financer. Voilà, merci, je vais répondre rapidement, le président va ajouter. En tant qu'association, ma marque, ma preuve de la cotisation, tout ça, après ma cotisation qu'on fait, les amis pour faire un bus, pour faire avancer l'activité association, et puis, carte, il y a membre, nous organisons avec pour faire des activités. Mais jusque là, comment est-ce que vous supposez appuyer l'organisme international, le gouvernement? Je pense que c'est ça où les babes. La compétence n'a plus rien à voir. Dommage, il y a certaines choses qu'on se les dise. On fait des demandes des états, on sait le ministère de l'agriculture, mais on n'a jamais eu un sac à main. C'est qu'on croit un sac, même pas un sac en verre. Et cependant, maintenant, on voit qu'il y a des facteurs au sein du ministère en noir. Voilà, ce sont des choses que nous décrions. La raison pour laquelle je suis tata, le leadership de la gouvernance agricole nous a aussi envoyé tout le monde. De la même manière, c'est-à-dire, comme dans ce pays, il faut utiliser des mécanismes forts, on va se mobiliser et dire au chef de l'État, tant qu'il ne va pas donner les secteurs aux experts, la vision du chef de l'État n'a pas de chance de réussir. C'est pourquoi nous le disons et nous insistons que c'est un secteur à promettre. Et les personnes qui ont l'habilité de remettre les secteurs en marche, c'est l'ingénieur agronome. Et chaque fois qu'on va hésiter de mettre un ingénieur agronome pour diriger le ministère de l'Agriculture, nous disons qu'on prépare l'échec des activités de l'ingénieur de chef de l'État. Merci beaucoup, ingénieur Devoni, le Bavaxen. Merci beaucoup. Pour la convocation, pour le président Lobby, du moment où l'ingénieur agronome a dit nous avons la solution à secteur agricole et que Bazali coupé sa lié opportunité et a co-organisé secteur, en tout cas secteur agricole et qu'on va dire.
Merci beaucoup. Pour donner presque la seule émission au lieu de 30 secondes, 30 secondes pour notre citoyen et par rapport à l'association ASIAC, vous êtes venu, vous êtes gouvernance pour éviter le ministère de l'agriculture. Merci à la prochaine occasion.